Bonsoir. Oui. Je viens pour l'annonce pour la coloc. Oui. T'es bien Émilie ? Oui. Je tombe mal. Ah non, mais désolé, ça va pas être possible. Pourquoi ? J'attendais une Camille. Ah, c'est moi, je m'appelle Camille. Je cherche une fille. Tu l'as pas précisé dans l'annonce, hein ? Peut-être, mais c'est comme ça. Je suis prof au lycée Fernand Léger, ça Ivry. Ce serait vraiment pratique pour moi. La journée, je bosse, ce soir, je suis quasiment pas là. Enfin, c'est vraiment dommage. Salut. Salut. Allez, on vient là, je vois. Bonsoir. Comment on devient prof de lettres? On passe le CAPES ou la grègue. Ouais, ça je sais, mais la démarche c'était quoi? T'as fait ça par vocation, par défaut? Par vocation. Et là, je vais bientôt faire une pause pour préparer la grègue. Tu fais quoi, toi? Téléconseillère. T'as pas fait d'études? Sciences Po. Ah oui, d'accord, t'es conseillère Sciences Po. T'es marrante, toi. Ça fait pas vraiment rire mes parents, en tout cas. Je peux te poser une question? Toujours le questionnaire coloc? C'est quoi ta vie sentimentale? Je compense ma frustration professionnelle par une activité sexuelle intense. Cool. Mais rien de bruyant ni d'envahissant pour une coloc, hein. Je te promets. Et toi? Mais encore? C'est un proverbe chinois. Ça dit à peu près j'ai été furieuse de ne pas avoir de souliers, alors j'ai rencontré un homme qui n'avait pas de pied. Et j'étais contente de mon sort. C'est con, c'est le chinois. Ça dépend. Tu te fous de moi, là? Non, pourquoi? Si, si, je pense que tu viens de me dire une grosse connerie. Là. Non, mais je te jure. Bon, bah formidable, hein. À vendredi, alors. Qu'est-ce que c'est? C'est pour m'écrire. C'est japonais? Je sais pas. Attends, j'enlève. Ah non, là, ça m'excite.